CDM, le test team, appuyez sur Enter pour commencer. Release by Enigma Production. Again by Nemesis Factory. Alpha 0.2. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne fais que passer. Pourquoi t'es ici? Au contraire, je ne peux pas juste passer dans la forêt CDM. Forêt CDM, c'est quoi ça? C'est clairement. C'est la signification de toute vie sur Terre. On n'a pas besoin de continuer d'être comme les autres mortels. Soit passer le sale test. Mais tu sais, écoute-moi bien. Les inminables tests veulent les fautes à Dieu. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Ben ça, t'as pas ta couleur normale, hein? T'as l'effet dramatique qui manque. Je me crois pas, toi. Oui, je te vois mieux, évidemment. Non. Oh merde! Tu es vraiment nul, mec! Ouais, je veux bien, mais quel endroit? Une espèce d'enfoiré! Let's go! La la la! C'est stressant ça! Pas des crises de chocobo comme dans Final Fantasy. Soit ils ne sont pas capables de faire des changements. Tunnel pour se rendre à l'endroit. Rempli de l'endroit. À vous les. Test parti. Sans le savoir, Derek a ouvert le portail vers un autre monde. Un monde où le chaos règne. Mais l'ouverture de ce portail... Trois autres personnes sont prises au piège quelque part dans la tour. Derek doit les retrouver. Warning! Cette tour est très petite, attention de ne pas le faire trop facilement. Ouais, toi aussi, t'as fait chier! Ça devrait être un dur coup de la tête! Bon, on devrait se mettre en équipe pour finir le jeu. Mais là, je pense qu'il sait déjà. Enfin, fuck le scénario, on va faire ce qu'on veut. Ouais, on va te chercher. Pas plus cool. Quoi ça? C'est une vraie plaie! Ah merde, c'est fou ce que j'ai l'air concerné. Va te faire mettre espèce de cap. Le bébé est dans mes deux jambes, ok? En tout cas, let's go! La la la! Venez à moi. Qui? Cela n'a pas d'importance. Mais voyons, c'est possible? Oui, c'est très possible. Je suis maintenant très réel. Et je viens vous avertir que vous n'êtes pas dans la guérison! Quoi? Plus maintenant, ne vraiment être en péril. Dans vos cités, vous devez stopper l'anté CDM.
crise de guerre. Sa mort, ça ne sera que le début d'une nouvelle rébellion. La part de qui? Personne ne sait, mais il faut que vous vous rappeliez de trois choses. Une petite. Premièrement, ne jamais tuer de mouton. Deuxièmement, ne jamais violer de mouton. Troisièmement, ne pas laisser l'antécédent fourrer avec un mouton. Le héros, évidemment. Ok, on a compris. Peux-tu nous rendre un petit service? Ça dépend c'est quoi? Nous téléporter vers le prochain endroit à visiter, parce que nous, on n'est pas nés ici. Pas de problème, c'était un manger d'avance. Je vais vous faire sortir de toutes les tours que vous allez terminer avec succès! Une fois que nos trois héros aient désespérément terminé la tour numéro 1 au prix de leur vie, ils auront à faire un vilain changement du scénario. Attention, 5 culs gratuits. Venez me voir une fois que vous avez trouvé l'autre personne, en entendant me laisser me promener de gauche à droite comme un cave tout seul. Pas de problème, à tout à l'heure, mec. Quoi? On veut passer. C'est interdit. Je sais pas, il y a des pics, donc il faut pas y aller. T'en plaît, ça? Tu l'as senti pas, non? Toujours bon à savoir, hein? Attention, c'est un petit labyrinthe de téléporteur. Ne perdez pas trop. Comment allez-vous? C'est stressant, ta putain de vache. Comment tu veux qu'on t'apporte du feu, tabarnak? Hey, vous suivra! Amenez la femme si vous voulez me réaliser! Oui, j'ai pas de quoi! Écoute, Peter, c'est même meilleur, alors c'est moi qui vais faire un vœu, c'est évident. Puis les gars, mon texte apparaît en bas et les vôtres en haut. Ça veut dire que vous êtes des personnages secondaires, pas importants. Pas un problème, tu. En tout cas, let's go! La la la!
Bonjour, je suis la divine du millénaire. Ouais, on l'a vu, tu veux te venir avec toi? Je suis vraiment... Tu vas réaliser mon vœu? Laissez-moi prendre la flamme! Maintenant oui! Bonne soirée! Wow, c'était cool! En tout cas, let's go! La la la! Let's go! La la la! C'est tout ici. Ok, à plus. Bye bye là. C'est un cul-de-sac! J'ai remarqué, espèce de sale con! Cristal? Ouais, on va pas en mettre ça! Le petit cristal, il peut rester pourrir là! Fuck, my point nine. Putain, ça fait chier. On dirait vraiment qu'ils ont fait exprès pour nous faire aller plus lentement. Ouais, pis c'est pas vraiment. Mais...
Hey les gars, ça avait l'air d'avoir un problème. Ouais, on va lentement, Chris. Ok, hein, ça c'est ça le problème. Il faut trouver un gars de Méragie Facto. Il va vous arranger ça. Mais il n'a fait rien gratuitement. Il va vous demander Christelle en échange. Tiens, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, merde. Ils ont fait exprès que ça prend ta gueule. Non, c'est bon, ici, je crains que dans nos gros yeux, encore plus crétin, je suis le protecteur d'un village. Peut-être que Roger va être d'accord si l'un d'entre vous lui fait une faveur. Quel genre? Une pipe. Merde, vous connaissez? Bon, gang de dégueulasse, on parle pas de ça dans les jeux normaux. C'est pas un jeu, c'est de la merde. Vous savez, avoir un léger problème. Léger? C'est là où on est, c'est là qu'est-ce qu'on va, maudit. Ah, vous allez là. Je vois. Allez-vous un cristal? Non, on va jamais en avoir. Ok, alors pour aller plus vite, il faut me faire une pipe. Hey, calme tes hormones, le donjon. Ça risque pas d'arriver. De toute façon, j'ai mis un condom en métal avec un cadenas sur ma queue. Fais pas voir ça! Waouh, je suis devenu dans la bouche d'un autre homme! C'était merveilleux! Ah putain! C'est la fin de cette histoire de sexe gay! Je veux pas être sexiste, mais moi je suis parfait pour qu'on en parle plus jamais! Non, pas sur moi! Calise, putain de cave! J'ai plus de toi dans mon équipe! Je l'ai toujours été! De toute façon, je suis le meilleur! Alors tu fermes ta gueule et tu caches plus de sperme sur moi! Bon, enfin, on se comprend! Merci, Roger! De rien! Mais c'est pas possible! Il y a sadomaso en plus! En tout cas, let's go! La la la! Ouais. On fait passer. C'est interdit. Je sais pas, il y a des pics. Donc vous pouvez pas y aller. Bah moi aussi, Marc. Vous trouvez quoi pour faire baisser les pics? Ça me plaît, ça. Voyons dit, c'est pas le cas d'accepte le faire activer. Je sais, mais on peut essayer! 1, 2, 3, d'agacité, sans baisser! Cool! Ouais, t'as trouvé le coup d'un un coup à la place de deux! C'est encore plus con! Vous avez baissé les pics! Vous êtes pas si capable que ça! Calme-toi, Kane, t'en vas pas la peine! Tiens, t'as un foutu bloc bleu! Merci, les gars! Ok, je vais ouvrir la porte. Bon, il faut que j'aille chier! Alors, à plus! Bonjour, vous venez me libérer? Ouais. Ok, mais avez-vous mon calorifère? Chris, mon calorifère, la patente tient au chaud l'hiver, là! Ah, oh, ça, mais c'est quoi le rapport? Y'en a aucun, mais j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup! Je sais pas, je me frottais le petit orteil sur mon pied de biche quand tout à coup je me suis apparu ici. Enfermé. De quoi t'as essayé de notre faute? Hey, mon tabarnak m'a fessé! M'a défoncé le cœur avec un...
À ce moment, Glanis fut surpris. Donc, voici 11 points d'interrogation. Putain, t'en fais du bon? C'est qui ton fournisseur? C'est quoi le rapport? On est pas dans un jeu! Vous en prenez trop, les mecs! Bon, ce jeu n'est plus docile. On est dans un jeu vidéo, le monde est en péril, ok, là? À ce moment, Glanis fut surpris. Donc, voici 11 points d'interrogation. Dans un jeu? En réel? On est dans le monde réel! Bande de cons! Fuck, j'aurais dû garder le scénario avec moi. Je vais le laisser au chien. Bon, de toute façon, on va faire équipe avec vous quand même. J'suis toujours dans la merde. En tout cas, let's go! La la la! Ta gueule! En tout cas, let's go! La la la! L'autre gars, enfin! Je vais vous faire sortir! Faites attention à la prochaine tour! Oh,